Et bonsoir tout le monde. Youp. Voilà. Normalement, vous m'entendez? Normalement. Bon bah on est sur la liste d'attente. Hein. On vient de reboot. Et attendre notre tour. Ça va être long, semblerait. Mis un système de priorité. Disconnected. Et puis du coup, ça m'a déconnecté. Non. Connected.
Bientôt mon tour, enfin. Et voilà, mon perso qui a toujours une sale gueule avec son masque. Masque de merde. Mais bon, fallait bien lui mettre un masque quand même pour faire un petit peu le bandit. Et voilà. On lui enlève son petit masque. On lui remet son chapeau. Il va se reposer au coin du feu un petit peu. Allez, hop. J'ai toujours tout. Quel? Ah bah, t'es réveillé? Ouais, je viens de me lever.
Écoute, tu fais de la trompette. Oui, pour c'est de bonne humeur. J'ai envie de te faire chier dès le matin comme ça. Vas-y, fais-moi chier. Ah, je pensais que t'allais rejouer un morceau. Ah, le tube doit être bouché. Ah. Ah oui, mais non. Mais putain, arrête, merdeux, je suis pas une... Je suis pas un gibier, moi. Si tu as un gros jambon. Mais je t'emmerde, putain. Oh, ça te dit, on va à la mine voir le patron, là, parce qu'il m'a pas donné de nouvelles encore. Et mon chapeau! Oui. Attends, ramasse mon chapeau! Détache-moi. Il est où ce studio de cheval encore? Ben, il est là. Ah, c'est pas le tien. Non, c'est pas le mien, celui-là. On peut y aller. Bon bah allons-y. J'ai pas reçu de télégramme de sa part, je me dis que... Il nous a peut-être oublié. Hein. C'est bien possible. En même Ou temps, ça alors c'était juste permettra. un beau parleur. En même temps, ça permettra de vérifier qu'il m'en a pas envoyé. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème de micro.
Oh, j'ai pas reçu de télégramme. Hein. Ah. On va aller voir si on le trouve, le patron. Sinon, c'est peut-être juste un beau parleur. C'est possible. Sinon, tu la retapes dans sous le même format, comme ça, quoi. Ok. Ok. Voilà. Et quand tu finis ta tournée, eh bien, tu mets la date de fin et l'heure au moment au moment de la fin de ta tournée. Voilà. Sur la même ligne. D'accord. Voilà, c'est tout. Et ensuite, tout se fait automatiquement. Donc, je vais te montrer les autres fiches. La fiche de synthèse, tu vas la reconnaître, hein. C'est là où vont se mettre toutes les tournées du dimanche, du lundi, du mardi, etc. D'accord ? Mm-hmm. Tu gardes une trace de tout ça. Et ensuite, donc, tu as la fiche hebdomadaire. La fiche hebdomadaire, voilà, tu as vraiment toutes les informations de la semaine. Donc par jour, tu as donc le total de roches que tu as miné, tu as ton efficacité aussi en roches par heure, en charbon par heure, en fer par heure, etc. Et tu as du coup les coûts de réparation, tu as aussi la durée de ton travail en heure qui est calculée, ton argent que tu as gagné en minant et ton salaire. Voilà. Ça te permet de faire un calcul très 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 facile. Et donc du coup, au niveau du tableau du bas, donc ça va te calculer directement les dépenses les dépenses que tu as pour ta pioche. Ça va te calculer aussi ton objectif, d'accord, ton objectif, d'accord. Mm-hmm. Voilà. Donc en fait, tu mets ton objectif dans la case qui est dans la case du tableau qui est un petit peu en jaune, d'accord? Et ça te donne le nombre d'heures que tu dois encore miner dans la semaine. Ça a l'air un peu chiant. Voilà, en fonction de ce que tu as déjà fait comme quota. Ouais. Voilà. Tout simplement. Voilà. Des problèmes, messieurs. C'est tout. Bon, si tu as d'autres questions ou si c'est pas clair. Tu pourras me le demander, hein, voilà. Mais normalement, ça fonctionne très bien. Voilà. Je l'ai utilisé pendant un mois, donc sans avoir jamais aucun problème. Voilà. Mais pas de souci. Autant que ça serve à quelqu'un. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Dites-moi, est-ce que vous savez où on peut trouver Monsieur T? Oui, il est juste derrière, à l'entrepôt. Ah, je l'avais pas vu. Bon, ah oui, c'est les vêtements noirs contre l'entrepôt, on a du mal à voir les gens, effectivement. Oui. On va attendre qu'il ait fini, alors. Oui, il devrait pas tarder. Monsieur T... Donne-nous du boulot. Ah, vous pouvez demander à Albert. Albert est le copatron. Mais c'est vrai, peut-être que je peux vous aider aussi. Peut-être pas besoin de l'attendre. Écoutez, c'est parce qu'hier, il nous a dit que du coup, il allait nous recontacter pour savoir s'il y avait du travail pour nous. Oui. Et je me dis que peut-être que la poste n'a pas fait son travail et nous a pas transmis le message. Donc bon, on venait vérifier, voir s'il y avait eu des nouvelles là-dessus ou pas. Ah, vous êtes les deux frères, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et toi, si t'as un problème, vas-y, pose-toi là. Non, il faut faire attention avec les gardes ici. Ils sont très, très, très à cheval sur... Ouais, sur, mais... Voilà, ils démarrent au quart de tour, hein, faut faire attention. Hein. Il fait que de me pousser tout à l'heure. Vous voulez savoir, du coup, si on a de la place actuellement, c'est oui, ça? Oui, oui. D'accord, d'accord. Alors, excusez-moi, je vais d'abord faire quelque chose, sinon je vais tomber devant vous. Ah oui, non, de faim. Allez-y, mangez. On va pas vous empêcher de manger, hein, clairement. Voilà, sinon, je risque de m'évanouir devant vous. Donc, je ne sais pas, je vais devoir quand même aller demander à Tsiyi, parce que je ne sais pas si on recrute actuellement. Il m'a pas communiqué ça.
D'accord. Sachant qu'on doit aussi, on attend aussi la visite de quelqu'un. Merci, le je vais aller le voir tout de suite, je lui demande. Donc vous voudriez travailler ensemble. J'ai entendu. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, pour le moment, les personnes qui devraient partir ne sont pas encore parties. Et la personne qui doit reprendre peut-être éventuellement le train n'a pas eu sa place, n'a pas eu de réponse non plus. Donc les deux postes qui vous seraient attribués ne sont pas libres à l'heure actuelle. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je ne vous ai pas répondu ni écrit. Ouais, j'ai eu peur, étant donné que bon, la poste ne sait pas trop venir me chercher, vu que je vis dans un campement, je me suis dit ils ont peut-être perdu le télégramme. Du coup, j'ai préféré. En général, vous inquiétez pas, les télégrammes, ils arrivent plutôt bien. On essaie de contacter les personnes, voilà, et on oublie rarement de contacter les personnes. Parfait. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, vraiment, dès qu'on aura si des informations. Et même si c'est négatif, on vous aurait contacté. Mais pour le moment, c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est pour ça qu'on n'a rien envoyé. Parfait. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à vous, oui. Et puis, bonne soirée. Merci beaucoup, vous aussi. Merci. À bientôt. À bientôt. Et merci, Loni, pour le follow. Autrement dit, ce soir, on les braque. Maintenant, faut savoir à quelle heure et où est-ce que passe leur chariot. Ouais, va falloir qu'on surveille un petit peu tout ça. J'arrive pas à te connecter. Il y a des problèmes avec CFX apparemment. Mais essaye, insiste un peu. T'as essayé avec le F8 directement ? F8 connect et tout. Bah essaye avec ça, peut-être que des fois t'as plus de chance que ça passe. Ok, bah bon match alors. Tu sais si Nito a prévu de venir ce soir ou pas ? On va où ? Je sais pas. Je réfléchis là. En soi, faudrait qu'on trouve un endroit où on peut surveiller leurs allées et venues. Parce que s'ils partent livrés en charrette, normalement, on devrait pouvoir. Et je pense que la seule route qui part de la d'Annesburg, c'est par là où on est. Hein. Ça dépend où est-ce qu'ils vont livrer. Ça dépend où est-ce qu'ils vont livrer, en effet. Partons du principe qu'ils vont livrer un peu partout. Cette route-là n'a pas l'air très très bien pour les charrettes. En effet. Bah essaye. D'après toi, il passerait par où ? Par l'autre côté, par la grande route. Bon bah, on va essayer de se positionner par là-bas. Suivre.
En fait, elle a pas l'air vraiment mieux. Alors du coup, il passerait par où? C'est ça le truc. Ou autrement, se positionne en ville et on regarde quand est-ce qu'ils partent avec des charrettes. Je pense que c'est le mieux à faire. Bah allez, on va faire ça. C'est bon. Bon, on va attendre. Ça va être long.
C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est même pas sûr qu'il fasse une livraison là. Ouais. Je te propose. On retourne au campement, on continue nos petites affaires habituelles. En attendant que Marad se réveille. Oh, on peut être resté encore 2 minutes de plus. Oui. Tiens, je vais en profiter, je vais aller voir les horaires de la gare. Comment ça, vous n'avez plus de train? Ah, la compagnie a fait faillite. D'accord. Bon, apparemment, la compagnie de train a fait faillite. Oui, il n'y a plus de train. C'était dans le journal ce matin. Mais j'ai pas lu le journal. Tu crois que je lis le journal, moi? C'est vrai que t'es trop con pour ça. Oh merde. La chance d'être mon petit frère, ça ferait longtemps que tu serais noyé dans un lac, toi. Ça ferait longtemps que je t'aurais buté, sinon. Ça en est deux. J'entends des chevaux, j'y ai cru. Mais pour le coup, je pense que pour les braquer, eux, il faut vraiment qu'on soit engagé avant. Ouais, il y a des chances. T'as entendu un coup de feu? Ah oui? Vu d'où ça venait. Au fait, t'es une arme, toi? Non, je comptais sur les lingots qu'on a fait pour pouvoir m'en acheter une. C'est vrai, faut que je le vende celui-là. Non, mais on peut retourner au camp pour continuer nos petites affaires. Ouais. Viens par là. Bon, oh, il m'a pas entendu. Parce que je te... Pourquoi je voulais aller par là? Parce que t'es con, ça tirait de ce côté-là. Ah mais il y a une calèche. Je vais voir. Alors, au final, c'est pas ça.
À gauche. Hein. Faut que je remette ça dans le bar. C'est chiant que ça se défasse à chaque fois là. Bon, on est reparti. Hein. Ouais. Allez, stream farm. Ça va être long. On va pas faire que ça ce soir, hein, je vous rassure. On va essayer de faire autre chose quand même.
Tu trouves des pépites? Pour le moment, non. Non plus. Ouais, ça va être drôle. Bah. Je vais encore prendre en compte le télégramme universel là. Très bien. Pépite. Bravo. Eh, t'as vu ça? Commence à avoir la main. Moi, pour mon mort, rien. On va se refaire choper par les flics, ça va être marrant. On va peut-être pas faire ça toute la journée. J'ai rien risqué de passer. Ouais. On va faire autre chose. Mais quoi? Ça, c'est la bonne question. Limite, on pourrait tenter d'aller chercher un cheval ou deux. Ouais, ah oui, remarque, ouais, t'as raison. On va faire ça. Tu veux aller dans quel coin? Oh, on en trouve où d'habitude? Faudrait qu'on essaye de trouver des...
C'est ceux qui courent vite là. Je me rappelle plus du nom de la race. Mais je pense que si on se dirige vers le ranch sans être trop près du ranch, ça devrait être plutôt pas mal. Je pense qu'il faudra aller voir un peu plus loin après Valentine. Tu crois? Bah au niveau du ranch, c'est que des chevaux, on va dire, classiques. Et après Valentine, tu penses qu'on aura des chevaux hein? Genre où? Côté de Big On Valley, là? peut. Oh, je te dirais même, on peut aller voir au ranch McFarlane. C'est où ça? Après Blackwater. À l'est d'Armadillo. Ouais. Ouais, remarque, on peut aller par là-bas. Puis si on en trouve un sur la route, c'est tout bénef. Oui, c'est ça. J'ai préparé le lasso. Écrase des lapins, il s'arrête même pas pour les dépecer. Tu feras gaffe aux ours, hein? Ouais. On est dans la réserve là. Je pense bien. Ouais, on va éviter de chasser par là alors. C'est pas par là. Et moi je te suis maintenant. Comme tu dis, bêtement. Je l'attendais celle-là, je l'attendais. Tu t'améliores. Pourquoi? Tu t'y attendais cette fois-ci. Mais pousse pas, bordel, putain! Des chemins comme ça, on devrait pas marcher côte à côte. Trop dangereux. On n'est plus dans la réserve. Cheval du Kentucky, toi. J'en ai rien à foutre. William! Il est parti par où?
Je suis là. Je l'ai laissé partir le cheval que j'avais attrapé, c'était un cheval de merde. J'ai reconnu la race, c'est un Kentucky. Les Kentucky, c'est les mêmes que Ray. Ah, effectivement, c'est quel des ponts déjà? Je crois que c'est les Alcantara, je sais pas, quelque chose comme ça. Appaloosa. Appaloosa, oui, voilà. Voilà. Bon, allez, on est reparti. Ouvre l'œil, on sait jamais. Il y a absolument rien. Bah, je vois rien non plus. Des chevaux. C'est emmerdant. Putain, j'espère que j'ai pas du sang. Non, c'est bon. Ça va? C'est un Kentucky. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Kentucky. Ouais, je crois qu'il y a que ça. Hein. Kentucky partout, sauf qu'on n'en veut pas. Je pense que c'est la race du coin. Et ça doit être ça, ouais. Pour ça, on va aller voir un peu plus loin. Je me dis que dans la réserve, ils doivent en avoir des Appaloosa, mais je suis pas sûr qu'ils apprécient qu'on vienne les chercher là-bas. Pas vraiment sûr.
quand même en admiration devant le jeu. C'est beau. Très apaisant. Ah, je suis pas doué. Ça y est. Ouais. Difficilement, mais ça y est. T'as réussi. Ouais. Je connais pas cette... Et c'est quoi le tien? Je sais pas du tout. Je connais pas bien ces races-là. Je connais bien les Kentucky. Mais je connais pas ceux-là. C'est quoi le tien? Je sais pas du tout. C'est pas marqué dessus, hein, tu sais. Je vais aller voir... à l'écurie. Ils arrivent à me dire ce que c'est. C'est où l'écurie la plus proche? Que t'es en train de regarder. Strawberry. Eh ben allons-y. T'as pas dit à ton cheval de retourner à l'écurie? Il a appelé Johnny parce que c'est un Tennessee Walk. Un Tennessee. Ça commande Johnny. Non, ça va être deux N. Ouais. Ah si, c'est ça, ça va être deux N. J'ai eu un doute.
Monsieur le palefrenier, excusez-moi, j'aimerais vous parler. Bon, le travail est pas ouf. Ah. T'as dit quoi? C'est pas une super race. Non, c'est des Tennessee. Ouais. Bon, du coup, je l'ai appelé Johnny. Moi, je l'ai appelé Jack. Parce que c'est pas... Parce qu'il est pas ouf, c'est ça? C'est exactement ça. Un enculé. Une brebis galeuse, quoi. Étonnant. Ouais, il se débrouille bien quand même. Il a du potentiel un petit peu. Bon, c'est littéralement... Ouais. Et il est pas doué. Il est pas très doué. Il est pas doué comme cheval. Hein. Ouais, je vois ça. Ah, comme moi depuis tout à l'heure, là, j'essaie de faire gratter le sol, mais il veut pas. Alors, ah oui. Comme ça, en fait. Ouais, non, j'essaie de lui faire garder le sol là encore, mais rien à dire. Hein. Ouais, mais il veut pas écouter les ordres. Vendre $6 quand même. Savoir que tu peux le vendre hein, pour $6. Hein? Je l'ai vendu pour $6. $6? Oui. Tu l'as bien vendu? Oui, oui. C'est rentable? Bah, c'est intéressant, oui. Rends compte, $6.
Je l'avais pas entraîné, hein. Toi aussi, t'arrives à le vendre pour 6 dollars. Comment ça, 6 dollars? Même en contre 50 cents. Vraiment? Ah oui. Ah bah c'est que mon cheval avait peut-être des meilleures statistiques. Bien. C'est un Tennessee Walker? Oui. Bah, je te dis, je viens de me faire 6 dollars. J'ai 6 dollars sur moi, j'en avais plus. Avec des cents. Ah, vas-y, moi, mes deux chevaux entraînés à fond, ils me proposent 48 cents. Oh, c'est triste. Je trouverais bien quelqu'un qui vaudra un cheval. Oui, c'est vrai. Tu veux quand même aller voir vers Armadillo, histoire de faire du tourisme? Oh, pourquoi pas. On va vers où? Ah, bien, putain, c'est cool, ça. Je propose qu'on aille voir les Wapiti. Allez, let's go. On va avoir froid là-bas, non? Je sais pas. Oh, faut tester. Je sais pas, t'as pas remarqué les... Ils sont toujours avec de la peau d'ours sur eux, mais c'est tout, hein. Est-ce que c'est plus chaud que ce qu'on a, nous? Je suis pas sûr. Au pire, tu paieras le médecin. Ouais. Je vais faire ça vite fait. On va s'arrêter à la rivière, faut que je vois si je peux boire. Ouais, pas de soucis. Et potable. Si jamais tu veux en profiter. Ah, c'est bon, t'inquiète. J'ai des bouteilles et... J'ai ma gourde.
C'est bon, on peut repartir. Let's go. Vive la cascade. Ça a l'air quand même très aride. Ouais. Mais pas si chaud que ça hein, par là. Ouais.
et qu'il fait froid. Qu'on arrive dans une tribu. Je comprends bien, ouais. Il y a un mec là-bas. Ouais. I hope you show our people respect while you're here. D'accord. Il a demandé de le laisser tranquille. Pas très accueillant. Sûr. Bon, je te propose qu'on aille vers le campement là. Ouais. Parce que bon, il fait froid. Il a mal à la patte encore? Ouais. Allez, monte. Allez. Tu me fais pas tomber. Non. Je vais faire une... Merde, c'est pas ça. Hop. Je vais faire une petite pause, les gens. Je reviens tout de suite.
Oui. C'est bien ça, j'en ai fait un temps. Et heureux tout le monde. Voudriez pas vous faire un peu plus d'argent? Si, ça m'intéresse. Ah, vous êtes à deux? Oui. Ah non, c'est le boulot d'une personne. Dites-moi. Ouais, mais c'est un boulot que pour une personne, malheureusement. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Si c'est bien payé, je veux bien le faire, moi. Suivez-moi. Je vous suis. Seriez prêt à faire des actions plus ou moins légales pour gagner de l'argent? Oh bah, je suis prêt à tout, vous savez. Prêt à tout, d'accord, ok. Bon voilà, je vous explique. Je travaille pour une organisation et j'avais l'habitude de revendre un produit à une autre organisation rivale, mais sous le manteau. D'accord. Malheureusement, mes deux organisations sont rentrées en guerre et je peux plus revendre à l'organisation rivale. Je me retrouve avec toute une cargaison sans pouvoir la refourguer. Ah, intéressant. L'idée, c'est que j'essaye de la refourguer un peu sous le manteau, voilà, à quelques individus qui pourront aller leur vendre directement à l'autre organisation. Je peux essayer de faire ça. Mais bon, voilà, il faut pas qu'ils connaissent mon identité, quoi, parce que moi, je suis vraiment grillé auprès d'eux. Ah, vous êtes grillé auprès d'eux, du coup, ils veulent pas savoir que ça vienne de vous, quoi. Bah ouais, non, il faut pas. Et c'est quel genre de produit que vous voulez leur vendre? On va dire que c'est une certaine fleur pour faire un produit nommé opium. C'est intéressant, ça. Ouais, je sais que à l'époque, il me rachetait ça 3$ les 10. Oui. Et moi, on va dire que je peux les brader à... Je peux pas descendre en dessous $1 les 10. Donc je vous les achète $1, je lui revends 3, je me fais $2 de marge, quoi. C'est ça. Et c'est intéressant, ça. Et en plus, j'ai pas grand-chose à faire à part le transport. Exactement. C'est juste que moi, j'ai pas d'autre choix que de passer par des intermédiaires. Oui, je vois ça. Et vous en produisez une grande quantité? Ah, j'en ai pas mal à revendre, ouais. Et ça peut être intéressant. Combien vous seriez prêt à en acheter? Là, maintenant, tout de suite, j'ai pas de dollars sur moi. Sinon, ouais, je pourrais vous en acheter peut-être une dizaine à chaque fois. Enfin, une dizaine. Une dizaine de dollars, je parle. Une dizaine de dollars? Ouais. C'est le maximum, là, que vous pouvez? Parce que j'en ai vraiment plus que ça, quoi. Bah, pour le premier voyage, oui. Après, je pourrais faire 3 fois plus. Ouais, bah oui, je comprends. Bon, bah écoutez, vendu. Ok. Bon, faut juste que j'aille... Vous avez une carte? Oui, attendez, oui, bah oui, j'ai mon petit numéro. Parce que ça... Sur lequel vous pouvez m'envoyer un petit télégramme. D'accord, ok. Au nom de Monsieur Peterson. Monsieur Peterson, enchanté, Monsieur Peterson. Enchanté également. Moi, c'est Luc. Luc, enchanté. Je préfère garder l'anonymat pour des raisons. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous m'envoyez un télégramme, vous mettez bien votre numéro pour que je puisse vous répondre. Bien sûr. Vous avez une carte, donc je vais vous indiquer où est la personne. Oui, dites-moi. Écoute. Alors vous voyez, au nord, normalement c'est marqué la quai ou la caille. Caille ou la caille. Juste au nord de Saint-Denis. Ah, au nord de... Ok. Oui, je vois, oui. Bon, bah là, juste à gauche, juste à l'ouest, il y a 3 maisons, dont une qui est à vendre. Oui.
Normalement, vous sifflez 3 fois là-bas et la personne sortira pour vous acheter le produit. D'accord. Et normalement, il leur vend entre 2,50 et 3 dollars à la dizaine. S'il me demande comment je vais trouver son adresse. Surtout pas moi. Vous dites que vous l'avez acheté au Saloon à Rod. Ok, ça marche. Bon, attendez, je vous transfère ça. Et il faut juste que j'aille chercher mes dollars. Ok, d'accord. Je crois qu'ils sont à la... Moi, je vais chercher le produit. Ok. Ok, on se rejoint ici. Oui, ça marche. Impossible. La banque est verrou. Verra. C'est le début. Faut qu'il croit que j'ai été à la banque. J'ai dit 10 dollars, si je m'en fais 30. Moi j'ai votre matériel. Étonné. Je vais me faire baiser la gueule. Étonné aussi. Merci. Bon, écoutez, je devrais rester dans les parages, donc voilà. Oui. Et oublie pas, il faut siffler 3 fois, sinon ils viendront pas. Ok, d'accord, c'est noté. Eh ben écoutez, je reviens si c'est fructueux. Super. Et peut-être que mon ami qui était... Enfin, c'est mon ami, mon frère qui était avec moi pourra en faire aussi. D'accord, ok. À tout à l'heure. William,
Ouais. Viens avec moi. Où j'aille à un endroit. D'ailleurs, quand on sera sorti de la ville. Ok. Si tu veux savoir vers où on va vers la quai, qui est un peu plus au nord de Saint-Denis. Vers la quai. Ok. Un truc à aller vendre là-bas. Pas de problème. Et si j'arrive à me le vendre correctement, je me fais 30 dollars. Sympa. Ça m'en a coûté 10 à l'achat. Si sympa. Je... Si je suis pas trop con, je me fais 20 dollars. Ah, quand il s'agit d'argent, là, tu sais. Tu sais compter. Et si je suis pas trop con, monsieur, il m'a dit qu'il avait d'autres trucs à vendre comme ça. Ça fait trop de fois que tu dis si t'es pas trop con. Ça m'inquiète. Oh, c'est bien, c'est un piège. Je me suis fait dépouiller de 10 dollars. Ce qui serait pas si étonnant venant de ta part. Et il m'a donné de la merde en retour, quoi. Parce qu'il m'a bien donné des trucs, hein. Après, de là à dire que je sais que ça, grâce à ça, on peut faire ce qu'il m'a dit qu'on pouvait faire, j'en suis pas sûr. Nihao, vous allez bien? Bien et vous? Toi qu'elle est grande cette ville. Hein. D'ailleurs, pourquoi on était là? Fallait que je passe à l'écurie. Du coup, fallait que tu passes à l'écurie. On était dans tout au nord, on est allé tout au sud, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. J'ai envie d'accélérer là. Quelle est grande cette putain de ville. Bah, tu sais, après, moi je fais les principes où t'as le droit de tout faire, t'as juste pas le droit de te faire attraper. Ouais, mais là, avec ce que j'ai sur moi, j'ai pas envie de me faire attraper. Et moi, toi, t'as des connaissances. Ouais. Du pavot, ça permet de faire de l'opium. Ouais. J'ai bien 100 pavots sur moi. Après, t'es pas obligé de livrer, hein. On peut aller le fumer. Alors, si tu es, m'en veux pas, ça va coûter 10 dollars quand même, cette merde. Pire, c'est toi qui te fais pigeonner, c'est pas moi. Ouais. Allez, vas-y, on accélère.
Bon alors. Faut attendre. Attendre. Ouais, c'est ça qu'il m'a dit. La quai. Normalement, c'est là. Hein. Arrête d'essayer de m'attraper, toi. J'ai un doute, à moins que ce soit là. Non, moi je vois que là-bas. Hein. Je me dis que c'était peut-être là, mais. Là, si je te redis la description qu'il m'a donnée de l'endroit où il fallait que j'aille. Ta carte. Ouais. Au nord de Saint-Denis, il y a la quai. Ok. À gauche de la quai, il y a 3 maisons, dont une qui est à vendre. Et bah, c'est là. Donc c'est là où on était tout à l'heure. On est d'accord. J'ai eu un doute, hein. Il a peur d'un truc. Putain, mais... Je vais baiser 10 dollars. Il m'a dit qu'il fallait siffler 3 fois pour qu'il vienne. Tu t'es encore fait arnaquer. Ah
Ah bah attends, on va retourner voir le mec. Je peux te dire, ça va pas se passer comme ça. Bon, tu vas venir avec moi cette fois-ci. On va aller parler au monsieur. Je vais lui demander qu'il... C'est très bien que j'aime pas parler. Je vais lui demander qu'il réexplique la position. Je vais regarder toi et me dire si on y a déjà été ou pas. Ah, oui, c'est désolé. Bon. Désolé. Compris. Ils étaient pressés, eux. Apparemment. Bon, il est où? Avec ton cheval. Tu t'es encore fait couiller. J'avais dit, j'ai bien l'impression que je vais me faire couiller.
Viens avec moi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, viens. Pas lui, hein. J'ai vraiment été aussi crédule que ça? Faut croire, hein. Non. Il y a un malentendu. C'est pas ça. Qui essaye d'escroquer les nouveaux joueurs, ça c'est bien. Un nouveau joueur, moi. Mais... T'étais censé le retrouver après, le gars? Oui, pour lui en acheter d'autres. Apparemment, il avait une grande quantité de ça à revendre. Donc il m'a dit qu'il allait traîner dans ce coin-là. On va aller voir vers la gare s'il n'y est pas. Bonsoir. Ah mais hey, parle pas. Mais si, j'ai dit bonsoir, mais vous me répondez jamais. Mais non, mais ah je ben... vous ai pas entendu, on vous entend pas en fait, faut crier un petit peu plus fort. Hein. Mais j'ai pas envie de crier moi. Ah désolé. Bonne journée. Là, je leur avais rien dit. Putain de chinois là. Il voulait quoi? Dire bonjour. Ah, bah bonjour alors. Ils disent oui, ils répondent jamais, mais déjà ils parlent pas dans notre langue. Comment veux-tu que je leur réponde? Bah, moi je comprends pas ce qu'ils disent alors. Hein. J'ai envie de leur dire. Comme si le mec il m'insultait et que je répondais ouais, ça va et toi? Ça. Rien. Non, ben on va regarder. Je retourne vers l'écurie voir s'il y est, mais... Sinon, je suis dans la merde.
Bah, tu t'es fait douiller. Ouais, mais je te propose qu'on y retourne quand même pour voir. Je te propose qu'on y retourne quand même pour voir. Et puis après, on ira vers le campement. Nos acolytes se sont peut-être réveillés. T'en penses quoi? Ouais. Seigneur, c'est un bon plan, je pense. Mais sinon, bah. Après, on trouve bien 1, 2, 3, 4. On verra bien une information pour le revendre, ce. Pas beau. Il faisait nuit quand on y a été? Ouais. Ça a peut-être une importance. Il y a tout le temps des tempêtes à Blackwater. Un truc de fou. Faut pas y vivre. Ils ont parlé ce matin au journal. Des tempêtes à Blackwater? Ouais. Je disais que c'était assez récurrent. Et ils en annonçaient potentiellement une pour aujourd'hui. Il va falloir refaire toute la ville après ça. Oui, que je lisais pas quoi? Le message? Ah oui, le journal, bah oui, non. Oui, bah oui, mais il a fallu que je rattrape le fait que j'ai lu le message. On dirait que ça faisait les gros titres. Hein. Bon, ça va, Robin? Ah, Robs. Bon, du coup, tu as vu, je me suis fait douiller, on est d'accord. C'est bien cet endroit-là qui m'a dit, là où on va, là, qui m'a dit d'aller et de siffler trois fois. Ah, on est d'accord. Mais je sais pas pourquoi, j'en étais quasiment sûr que j'allais me faire avoir. C'est pour ça que j'ai mis que 10$, que j'ai pas mis plus. Mais après, le pavot, en soi... Peut-être en faire réellement quelque chose, hein. Pas. Ouais, je me dis qu'il y a peut-être moyen. Hein. Mais je sais pas pourquoi je me suis dit je me fais avoir sur l'instant. Mais au final, c'est dégueulasse parce que le mec, il a été à l'écurie de Saint-Denis. Pour choper un nouveau, en fait. Et refourguer sa merde à un nouveau. Si c'est le cas. Tu vois, j'ai bien du pavot sur moi. Et on est d'accord que c'est bien par là qu'il m'a dit d'aller. Moi, ouais, c'est ce que j'ai compris, mais... S'il me dit de siffler trois fois, ça marche pas son truc. La baraque est complètement démolie. Hein.
me suis fait baiser la gueule. Je me dis, il y a peut-être un truc, hein, de jour, de nuit, si c'est peut-être un PNJ. Ça ressemble à une étale, ce truc-là. Bon bah, j'ai sans ne pas voir vendre. Oh remarque, j'ai pas fait gaffe, là il y a une table. Ouais, ça marche pas. Hein. Attends, il y avait un truc. C'est quoi qui apparaissait là? J'ai eu un truc qui est apparu là. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un truc qui apparaissait là. Par là. Mon cerveau qui veut faire apparaître des trucs. Y'a quelqu'un ? Oh. Allô ? Je pense qu'on va y aller. Hein. Se fait avoir. Enfin, je me suis fait avoir. Oui. Je crois que c'est le terme. Hein. Idiot. D'ailleurs, t'as pas tort.
coup j'ai perdu 10$ en soi ce soir, j'ai perdu 4$ quoi. Parce que je me suis fait 6$ en vendant un cheval. J'ai perdu 4$ pour du pavot. T'es vraiment un idiot. Oui, je sais. En attendant, moi, mon cheval, je l'ai vendu 6$ tout à l'heure. Un coup de chance. Ça fait que, du coup, j'ai perdu que 4$ ce soir. Ah, faut relativiser, hein. C'est ça. Après, peut-être que y a moyen de trouver des racheteurs, hein. J'ai l'impression que mon stream il lag ce soir. Je pense, oui, mais en attendant. Si c'est ça, je pense savoir de quoi ça vient. Mon disque dur est plein. N'hésitez à me dire hein, s'il y a des lags et tout. Moi sur le retour que j'ai, je crois qu'il y a des lags. Où est cette descente, putain. Pas bordel. Putain, j'avais espoir qu'il soit réveillé. On va les attendre là. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ah dites-moi, vous savez où je peux couper du bois là ? Couper du bois ? Allez plutôt du côté de la menuiserie. Alors attendez, excusez-moi deux petites secondes. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Oui, je disais, pour couper du bois, aller plutôt du côté de la menuiserie. En plus... Menuiserie. Oui. Ok, ça marche. Parce qu'en plus, ils vous fournissent tout le nécessaire pour le faire, si vous leur revendez votre cargaison. Ah, très bien. Ok, bah super. Merci beaucoup, messieurs. Ben, rien. Allez, rien. Au revoir. Au revoir. S'ils vont en courant, il est mal barré. Ouais, c'est vrai. Après, s'il est motivé.
Ils dorment bien, les loustiques. Ouais, ou si ça se trouve, ils sont déjà partis se balader, hein. On sait pas. Ouais, c'est possible. Bon bah je vais aller me poser dans ma tente 5 minutes, je reviens. Ça marche. Et Relony. Oui, mais là, ce que tu me dis, là, c'est complètement cherpé. Je peux pas savoir que t'es à Valentine. Ah, Ray, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Faut que je te raconte la dernière. Qu'est-ce que t'as fait encore? Tu fais baiser. Bah vas-y, je t'écoute. Alors, on était à Saint-Denis là avec William. Il est parti s'allonger dans sa tente. Bah j'en reviens de Saint-Denis d'ailleurs. Et on était à Saint-Denis, il était à l'écurie pour je ne sais quelle raison. Enfin, on était à Saint-Denis et il y a un monsieur qui est venu me voir qui m'a proposé du boulot. Bah pourquoi pas? Bon, il m'a dit c'est que vous êtes prêt à tout pour travailler. Je lui ai fait bah oui. Et du coup, il m'a proposé d'aller parce qu'il m'a expliqué sa situation, qu'il était membre d'une organisation pas très légale et qu'il avait pris pour habitude de revendre certaines choses à une autre. Sauf que... Eh ben, désormais, ils sont en guerre. Mais c'est qui ces deux organisations? Et j'ai pas les noms. T'as pas demandé. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je l'ai pas demandé. Moi, j'ai son prénom. Il s'appelle Luc. Moi, je m'appelle Jean-Paul. Mais non, toi, tu t'appellerais. Ah, putain, oui, d'accord. Bref. Je viens de comprendre. Je suis un peu con, hein. Non. Oh. Ça va aller avec le reste de l'histoire, je te rassure. Donc, il me dit que, bon, bah, il peut pas vendre son pavot à l'autre organisation et qu'il est obligé de passer par des intermédiaires. Du coup, il m'a filé 100 pavots contre 10$, et j'étais censé m'en faire 30. 100 pavots contre 10$. Oui. Et j'étais censé me faire 30. Je pense que t'as payé plus du double de ce que ça vaut, mais... Quoi? Je me suis fait baiser la gueule. J'ai un peu peur, ouais. Il m'a dit que je devais le revendre 30$. Il m'a donné un endroit et tout, il m'a dit qu'il fallait siffler 3 fois. Bah, on y est allé, j'ai sifflé 3 fois, il y a personne qui est venu. T'as déjà de la chance qu'il y a personne qui t'y attendait pour tout te voler. Ouais. J'étais un peu con, hein.
Bon, du coup, j'ai perdu 10 dollars et j'ai 100 pavots que je sais pas quoi en faire. Heureusement que t'en as pas acheté plus. Oui. Mais je sais pas, mon instinct me disait non, dépense pas tout ton argent là-dedans. Ah là là, les jeunes. Ouais. Je me suis fait avoir. Au moins t'as essayé. Mais après, l'opportunité aurait été belle, hein. 30 dollars. Bon, par contre, tout à l'heure, j'ai capturé un cheval. Je l'ai revendu 6 dollars. Ouais, c'était quoi comme cheval? C'était un Tennessee Walker. Ouais, ils sont pas mal, ceux-là. Moi, j'ai eu un Morgan tout à l'heure. Et le Tennessee Walker, bah, du coup, je l'avais appelé Johnny. Et puis après, bon, bah, je suis allé le vendre à l'écurie. C'est l'écurie qui te l'ont repris 6 dollars? Ouais, en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai gardé. Tu vois, j'ai dit au palefrenier, bon, bah voilà, maintenant c'est mon cheval, on va l'appeler Johnny et tout. Et puis bon, quand j'ai vu que, bon, il était... Je préférais quand même les grains noirs, j'ai fait, bah, je vais le vendre. Donc je suis allé voir le palefrenier, là, qui était à l'intérieur de l'écurie, je lui ai dit, bon, tu me le rachètes combien? Il m'a dit, 6 dollars. Je lui ai dit, bon, bah, allez, vendu. Bon, c'est une bonne affaire. Ça rembourse ce que t'as perdu. Bah, presque, hein. J'ai perdu 4 dollars, quoi. Bonjour. Soir. Bah, t'as pas forcément perdu. Faut voir comment ça va, c'est ça. Oui. En réalité. Oui, c'est ça. Ça va, William? Ça va, et toi? Ça va. Ton frère me raconte ses péripéties. Son cheval à 6 dollars. Et son pavot à 10 dollars. Il est trop con. Ah, c'était un peu trop beau pour être vrai, c'est sûr. Ça va, j'ai mis que 10 dollars, hein. J'aurais pu mettre aussi l'argent de Zephyr. Hein. Ça a été très drôle. D'ailleurs, vous avez des nouvelles de lui? Non, aucune. J'espère qu'il n'a pas eu un problème. J'espère aussi. Et Sam, vous en avez des nouvelles? Non plus. Walter non plus? On l'a vu quand, hier, Walter? Oui, on l'a vu hier, ouais. Mais depuis, bon, non, pas de nouvelles. Bon, bah, j'espère qu'ils vont repasser, parce que j'avais un petit projet pour ce soir. Histoire de commencer un petit peu à essayer de gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu voulais faire? Eh ben, je me dis qu'il y a pas mal de transports en charrette en ce moment. Et ils sont obligés de faire des allers-retours parce qu'il y a des petits problèmes. Le train est actuellement hors service pour la simple et bonne raison que la compagnie de ferroviaire a fait faillite. Et en attendant que la compagnie ferroviaire reprenne les choses en main, je me dis qu'on peut essayer de choper quelques charrettes qui passent. Ils doivent avoir de l'argent. Ou tout du moins de la marchandise. Mais elle part d'où? De la mine, ces charrettes? Possiblement. Il y a celles qui partent de la mine, il y a celles... en gros, toutes les charrettes de livraison, quoi. Ok. En tout cas, celles de la mine, s'ils les protègent autant qu'ils protègent la mine quand ils y travaillent, ça va être compliqué. On est d'accord. Pour celles de la mine, ça va être compliqué. Si elles sont protégées, aussi bien. Mais je suis pas sûr. Hein. Ah, en parlant de la mine, entre la mine et ici, il y a un puma qui traîne, faites gaffe si jamais. Ah oui. Oh, tout à l'heure, j'ai eu un problème avec un ours. Ça m'a valu 4 points de suture et 75 cents. Ok. Moi, j'ai croisé un grizzly, mais... Ouais, c'était peut-être un grizzly, hein. Je sais pas, j'ai pas le temps de lui demander, hein. Sinon... T'as revendu ce lingot, sinon? Non, toujours pas. Ben, en vrai... T'attendais quoi pour ça, déjà? J'attendais qu'on soit tous réunis pour pouvoir discuter de comment le partager. Ça empêche pas de... déjà le vendre. Ah, le problème, c'est que si je le vends, après, l'argent, on va se mélanger avec la... avec mes dollars à moi. Et puis que, bon, je vais me sentir un peu riche. Et que je...
Il va aller voir la gorgandine. Et elle risque de prendre 100 dollars, quoi. Ouais, alors on va peut-être attendre, c'est sûr. Ouais, puis c'est surtout que, bon, bah, un lingot, c'est plus facile à recompter que 250 billets, quoi. Surtout que tu serais capable de te les faire arnaquer. Non, ta gueule. Bon, sinon, j'ai eu des nouvelles. Deux. En fait, l'arrosoir et le râteau, ça a été déjà commandé. Ok. Et du coup, c'est eux qui le fournissent directement. Oui. Gratuitement. Alors non, ils nous le font payer 5 dollars. Ok. Et je lui ai dit qu'on allait en prendre 5. T'es sûr qu'on en a besoin d'autant ? Eh bah... Il semblerait qu'il en faille un par personne qui travaille. Mais on peut pas se le prêter. Si. Je pense pas qu'on va bosser 5 en même temps. Mais bon. C'est pas perdu de toute façon, au cas où. Je me suis dit, au cas où, voilà, on a sur le coup, on en a 5. Ça nous coûte 25 dollars. William, tu sais qu'il y a une troisième chaise ? Ça me stresse de te voir debout. Si ça te stresse alors. Ouais, puis normalement elles sont bien disposées, tu m'entends. Ah, normalement. T'inquiète pas, t'inquiète pas, je mords pas. Je m'inquiétais pas pour ça. Vous avez refait quelques pépites ou pas du tout ? Doit en avoir 8 ou 9 dans les sacoches de mon canasson. J'en ai une trentaine, je crois. Ok. T'as toujours autant de chance, quoi. Ouais, et puis travaille. Toujours. Ah non, j'en ai 8. Bon, quand le soleil va se lever, je vais essayer d'aller attraper un cheval. Ouais. Bah, si on a rien de mieux à faire. Bah, il semblerait apparemment. C'est ça, j'en ai une trentaine. Parce que... Vas-y, bien joué. Moi, j'en ai pas refait depuis. Il semblerait que, pour le coup, on n'ait pas grand-chose d'autre à faire. Qui est assez embêtant. Que je suis pas sûr qu'à 3 on puisse faire grand chose face à des diligences. Hein. Non, ça risque d'être compliqué. Sachant que William est même pas armé. D'ailleurs, il attend quoi ? Bah, il attend. Il attend la répartition du lingot. T'as pas de quoi lui avancer ? Bah, le. Ouais, si, remarque, je pourrais. Ouais. Mais j'ai ce qu'il faut si jamais. Jack, faudrait que tu parles un poil plus fort. Là, c'est mieux, là. Bien mieux. Ouais, bah, du coup, faudrait voir pour t'acheter une arme, toi. Petit revolver, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, mais pour ça, faut revendre le lingot. Ouais, ou comme on disait, on peut t'avancer. Ou qu'on t'avance l'argent. Ah oui, c'est vrai que t'as de la thune, toi, Jack. Ouais, j'ai de la thune, tout de suite, les grands mots. Ouais. Bah, t'es capable de te faire arnaquer de 10 balles, alors... Oui, bah justement, du coup, j'en ai moins. Ah, oh, dans le canasson, là, je dois avoir 20 dollars qui m'appartiennent. Donc oui, je peux t'avancer. Heureusement qu'il y en a un qui réfléchit ici. Après, si Zephyr, je sais jamais comment il s'appelle, c'est trop du cul là-bas. Si jamais il revient pas, j'ai 40 dollars en plus. Hein. Il reviendra.
Bah j'espère. T'es efficace ce petit. Ah c'est pour ça. Il avait l'air en tout cas. Bon, si on allait voir si l'armurier est ouvert. On va aller voir ça. En même temps, faut que j'aille vérifier si j'ai pas reçu un télégramme. J'ai les Red Reapers qui doivent m'appeler, non, qui doivent m'appeler. Qui doivent m'envoyer un message. Saint-Denis ou Valentine? Valentine. Au moins on connaît là-bas. C'est pas fou. Et je me suis pas encore fait arnaquer à Valentine. Et ça va qu'il y a des cadenas sur tes sacoches, hein. Bah heureusement, ouais. Bon, pas attendu. Hein. J'ai exprès de prendre des wapiti pour faire rager les Indiens à Valentine. Faut chercher, hein. Je suis en train de descendre de l'énergie de mon cheval. Hein.
Mais vous étiez où? Ben, on a pris une autre route. Ah bah tiens. On t'a retrouvé. J'ai eu le temps de prendre un wapiti sur le chemin. J'ai tout vendu, j'ai plus de peau. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner une avance pour t'acheter une arme. Au pire, tu connais bien la boutique, toi. Tu veux pas l'acheter, tu me files l'arme direct et tu me diras combien je te dois. Non, parce qu'il faut faire les papiers à ton nom. Oh, fais chier. Allez, viens avec moi. C'est où, Ray? Il doit être à l'armurerie. Moi, j'ai posé mon cheval au salon. D'accord. Je l'ai attaché pour être sûr. Et bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Apparemment, il n'y a pas de... Oh putain, ça va être la merde, si. Je crois que c'est fermé. L'armurerie est fermée. Allez, attends. Ouais. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Paf, paf, paf. Du coup, il est là? Non, il n'a pas. Non, il n'y a pas de bondeur. Il est là, l'armurier, ou pas? Non, je crois pas. Bonsoir, monsieur. Bon, votre chef n'est pas là. Dommage. Non, il y a que l'apprenti ou le stagiaire, je sais plus ce que c'est. Oh, je comprends pas. Alors, est-ce que ça dit? Ça le redit ou pas? Il y a personne, on est d'accord? Non, il y a que le stagiaire. Le stagiaire, il peut pas faire grand-chose pour nous. Va falloir aller ailleurs. Je vais te profiter de faire cuire un peu de pierre. T'as une idée? Ouais, j'essaie de regarder. C'est l'armurerie qui est par là. Bah, je sais pas. Même de mémoire vidéo. Mémoire normalement. Espérons qu'il arrête de mettre le message. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un petit problème.
j'étais en train de me balader en cheval et j'entends une voix de très loin. Vous entendez une voix de très loin? Ouais, de très loin. Une dame. Vous avez des hallucinations? Ouais, c'est ça. Ah. Ouais. Eh ben, je vous conseille d'aller voir le médecin. D'accord. Il va faire quoi, le médecin? Ah bah, le médecin, il va vous mettre des bouchons dans les oreilles. Ok. J'y vais. Il est où? Là, en face. Comment lui dire qu'il faut aller dans paramètres audio? C'est les mêmes hallucinations que moi hier, je pense. Désactiver le chat vocal. Bon, RP. Oui, totalement. J'ai eu les mêmes hier aussi. Et va lui expliquer, toi. Compliqué. On est d'accord. Je vous dois combien, docteur? Ah, d'accord. Vous m'offrez la première visite, d'accord. Bon, vous avez réussi? Ouais. Ça y est, le docteur m'a guéri. Ouais, c'est magnifique. J'espère. Il m'a dit la première visite était gratuite. Le monsieur, c'est un docteur, le monsieur, là, en face. Ah ouais, je sais pas, moi. Je le connais pas, ici. Ah. Je sais pas, c'est lui qui m'a... Il m'a dit, c'est bon. Première visite, gratuit. Vous vous appelez comment? Billy. Billy comment? McCarthy. Ah oui, faut que je fasse quelque chose. De McCarthy. Très urgent. McCarthy. Ouais, McCarthy. Oui, oui. Faut que je fasse... M-C-C-A-R-T-Y. Faut que j'aille m'endormir quelque part. J'ai oublié un truc. Et je vais aller à l'auberge. Je viens d'y penser. Ouais. Excusez-moi, attendez, je reviens. Je vais m'endormir à l'auberge. Et ouais, je reviens. Pas de soucis. Bonne sieste. Merci. Je vais demander son nom pour pouvoir lui envoyer un message sur Discord directement. Très subtil. De quoi? De l'envoyer chez le médecin. Oui. Bon, tu viens avec moi? Elle est vraiment dégueulasse, cette ville. Bon, tu t'en sors, ouais. Ça va? Bah oui, ça va, et toi? Vieille branche. C'est moi, vieille branche? Non, je parle à mon cheval. Ah. Oh, toi, c'est t'assumes vieille... même pas. Toi, c'est pas vieille branche, toi, c'est vieille. C'est vieille carme. Tu fais de la pierre? Ouais. Mais t'en avais encore en stock? Ou t'en as été en refaire? Non, j'en ai refait l'autre jour. Et ça se vend bien? C'est pour l'armurier, le charbon. Il y reprend pas grand chose, mais bon. Si on peut se le mettre un peu dans la poche, l'armurier, c'est pas plus mal. Ouais, ouais. Par contre, il est pas là. Non, j'ai vu.
que le stagiaire. Une tribu par là, mais je sais pas où elle est exactement. Je suis en train de chercher, voir si je trouve une les annonces entreprises. Encore 30 secondes et c'est bon. Plus qu'à aller à l'établi là-bas. Et c'est fini. Tu te réveilles ? Il faut que je le tape. Il veut que je tape. Allô ? Petit con va. Enfin. Ah putain, mais c'est mon cheval. Arrête putain de bête entre eux. Oh, faut que j'aille à la gare. J'ai peut-être reçu un télégramme. Ah, j'espère. Sinon, je pense qu'il va falloir qu'on aille à Blackwater. Qui m'emmerde, il semble avoir entendu parler qu'il y avait une tempête par là-bas. Oh, dernière nouvelle météo, c'était ça. Ah bah non, Blackwater va fermer, je pense. Tiens, tu fais du dérapage. Ouais. Ouais, flemme de faire le tour. Alors, j'ai reçu un télégramme, mais la personne n'a pas signé. Et du coup ? Et elle me demande où je suis. Alors, on va retourner à Saint-Denis.
Faut qu'on aille voir. J'espère que c'est ça. Pour être drôle. Qu'est-ce que vous faites ? On allait se diriger vers Saint-Denis. J'ai reçu un télégramme énigmatique. Ah attends, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé de qui il venait. De quelle ville il venait. J'aurais dû. Bah ouais, ça aurait été bien. Je vais aller retourner à la... Revérifier. Et ça disait quoi ce télégramme ? Où es-tu ? Et la seule personne qui me... Enfin, qui aurait des raisons de me chercher aujourd'hui. Personne qui m'aurait arnaqué de 10 dollars. Ouais. Bah, on va voir ça. Oui. Je vais trouver un arbre pour pisser. Ça marche. Ah. Bon, d'abord. Bon, c'est Walter. J'ai reçu un deuxième télégramme, le premier. Walter. Quand tu voudras finir tes phrases, tu m'appelles. Ben Walter, le frangin de Sam. Eh ben. En fait, c'est lui qui m'a envoyé « Où es-tu ?» et qui derrière m'a envoyé... c'est Walter, j'ai oublié de préciser qui c'était. Donc j'ai pas de bol. D'accord. J'ai vraiment pas de bol. Tu t'es vraiment fait arnaquer de 10 dollars. Donc tu restes un idiot. Ta gueule. Et si tu écris Xavier, il le recevra jamais. Voilà. J'ai reçu un télégramme. Comme quoi il est à Hannesburg. Okay. Faut qu'on aille où ? Et voilà. Comme ça, tu sais tout. Le mec qui a pas envie de parler.
Borg. Oh, t'as lu? Oui, c'est ce que je dis. T'as pu simplement me dire, on va à Nesbourg. On va peut-être attendre. Ça y est, on est gentil, je vais faire un petit son de musique. T'inquiète. Bon. Du coup, c'était Walter le télégramme. Ah, c'était Walter, ok. Tiens, c'est quelle heure? Alors, attends. Bah, allons-y. Et c'est parti. Annesborg, du coup. Si on trouve des chevaux sur le passage, on les prendra. Non, le campement. On va au camp. Ouais. Allons-y. William. Toi, mais c'est qu'il a de la vitesse maintenant ton cheval. Eh, vous crachez sur les Kentucky, mais ils sont pas si mal que ça. Ouais, je crache pas dessus, moi. Je monte pas dessus. Il est passé où, Ray?
Bah, il y a du vent. Tout petit peu. C'est un ours ou un grizzly? Un grizzly. D'accord, bah c'est ça qui m'a attaqué tout à l'heure. Des petites saccades vidéo quand même. Je sais pas ce qu'il lui prend aujourd'hui. Hier ça marchait très bien. Qui s'est passé? Il a dérapé sur un rocher et il est tombé. Oh merde. T'es à pied? Non. Ah. Si. Bon, je monte derrière toi. Oui. On verra ça plus tard. Je sais pas, moi ça saccade un peu là ce soir. Il va falloir que je regarde ça. Impression. Et il est passé où, William? Elle a continué tout droit, lui. Ah bah vous êtes là. Salut Ray, salut Jacques. Bonsoir monsieur. Salut Walter, salut Sam. Vous allez bien? Ça va. Bon, on fait quoi? Pitié, comment vous faites ça? Alors, comment t'expliquer?
vois les factures. Ouais. Ouais. Bah là... Là, tu fais pas une facture, là, tu... Tu fais un peu du théâtre, tu t'assois, quoi. Et tu regardes le théâtre. J'aime pas le théâtre. Les scénaristes, ils sont pas bons. T'es d'accord que c'est quand même la manière la moins logique de faire ça, ou bien? Oui, oui, on est d'accord. C'est vrai. Bon, j'ai quelques infos sur les mecs qu'on fait une tuile. Ah, intéressant. Oui. On t'écoute. Ils habiteraient tous à Annesberg. Un petit groupe de délinquants qui fait 2-3 coups. S'amuse à chasser les orpailleurs qui se passent par là, c'est de l'argent facile. Ils sont 4 ou 5. Et un black. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Je croyais qu'il revendiquait d'être du Bayou. Ouais, je pense que c'est une couverture. D'accord. En fait, une fois que je me suis réveillé, j'étais dans une petite maison avant que des gars leur tirent dessus et je les écoutais discuter en fait. Et en fait, à ce moment-là, des mecs les ont attaqués et ils ont discuté avec ces mecs en question. Et du coup, c'est là que j'ai pu avoir toutes les infos avant de réussir à filer par derrière. D'accord. Du coup, faites gaffe quand vous orpaillez par là. Il y a des mecs qui traquent des gars comme nous. D'ailleurs, vous saviez que l'orpaillage était illégal? Oui, bah justement, j'allais y venir. On a croisé un shérif l'autre jour. En orpaillant? Oui. Ah, ça a dû être sympa, qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, bah il nous a dit qu'il fallait qu'on arrête ce qu'on était en train de faire et qu'on aille, qu'on aille voir la mine pour se faire embaucher si on voulait vraiment travailler dans le... sur la rivière pour orpailler. Oui, bien sûr. Donc on s'est exécuté, on a été voir la mine. Bon, ils cherchent actuellement des... Il y avait 2 postes qui étaient ouverts pour des personnes pouvant travailler de 8h à 16h. Donc il m'a clairement dit que mes horaires ne lui convenaient pas, parce que moi, de 8h à 16h, je ne peux pas. Oui. Mais bon... Discuté un peu avec lui, il m'a donné quelques tuyaux, il m'a dit non mais autrement, aller un peu plus au nord sur la rivière peut-être pour orpailler serait peut-être plus tranquille. Il m'a parlé aussi de la rivière à côté de Strawberry. Et il m'a également conseillé de faire de la chasse et parce que bon, les gouvernements ont revu les tarifs à la hausse. Pas mirobolant, hein. Ouais, j'imagine bien. Et ça vaut combien maintenant? Ah bah ça vaut... J'ai pas regardé pour la viande, pour les cuirs, ça vaut 6 cents. Ah oui, ah, effectivement, là, c'est l'inflation. Oui. Et les pots qu'on peut récupérer, quand les pots sur notre cheval, si on demande au boucher de les récupérer lui-même sur le cheval, ça nous fait 60 cents. Ok. On a des nouvelles de Smith? Non. Oh, aucune. Ah, mais si. De Zephyr. Si, Smith, on a des nouvelles, si. Ah si, j'ai confondu avec Tyler. Pardon. J'ai échangé des télégrammes avec lui. Alors, okay. Du coup, il a fallu que je commande des râteaux et des arrosoirs. J'en ai commandé 5, ça va nous coûter $25. Et il s'appelait Smith, hein, c'est ça? Oui. Ah, ok. Ça va nous coûter $25. Il va... Oui. Vas-y, continue. Il va nous fournir des graines.
On va devoir lui passer commande de graines. Voilà, déjà 5 dollars. Merci bien. On va donc du coup on va recevoir des graines et les graines on va pas les payer. Il va nous les fournir et il nous déduira le prix de la graine sur la revente de feuilles qu'on lui fera. Après, si tu vois le prix, moi je peux me les payer. Ah bah écoute, a priori là pour le moment on est en. Enfin, on est. Le contrat il est comme ça. On pourra le modifier par la suite. Hein. Parce qu'autrement les graines, attends. Faut que je reprenne dans mes papiers dans tous les télégrammes que j'ai reçus. Oui. Je dois avoir le prix de la graine. Ok. Une fois que t'as fini ça, tu leur expliqueras ton histoire de pavot. T'es vache quand même. On n'est pas obligé, cette histoire de pavot. C'est une histoire un peu con. Tu te dois de partager les bonnes affaires. J'ai croisé un mec tout à l'heure là, un mec bizarre. Qui voulait me proposer un business. Ouais, c'est-à-dire. Voir si c'est le même qui a proposé. Il est venu vers moi, j'étais à Valentine, il est venu vers moi. Il m'a dit, est-ce que tu veux travailler ? J'ai dit, ça dépend quoi ? Du coup, on parle un peu, il me dit, écoute, j'ai des trucs à revendre. Parce que je sais pas, il mélange tout, il m'a dit, j'avais une organisation, ils sont en guerre, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai demandé, c'est quoi les organisations ? Puis, je sais pas, il a commencé à bégayer un peu. Et donc, il a dit, ouais, laisse tomber, il y a quelque chose qui est... Bah écoute, vu ce que tu me racontes, ça me fait vraiment penser au nouvel ami de Jack. Il m'a dit qu'il s'appelait Luke Walter. Luke. Ok. Et puis il s'est barré, il a dit laisse tomber, j'ai pas confiance. Ouais, bah, je lui ai dit bon. Moi je lui ai pas dit laisse tomber, j'ai pas confiance. Alors là, c'est lui qui m'a dit j'ai pas confiance, c'est pas moi. Ouais, bah moi je lui ai acheté. Parce que j'ai commencé à lui poser des questions, tu vois, j'avais pas. Bah, le mec, je le connais pas, ni d'Adam, ni Dev, il vient comme ça, donc il me proposait quelque chose. Ouais. Bah, je pose quand même quelques questions, tu vois. Bah, Jack se pose pas de questions. Alors si, je peux poser des questions, mais pas les bonnes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, tu l'as croisé aussi ? Oui, je l'ai croisé à Saint-Denis, il m'a proposé de me vendre du pavot. Et ça me coûtait 10 dollars les 100 pavots. Et normalement, je devais les revendre et me faire 30 dollars. Et il m'a donné le point de vente et tout, hein, mais... Bon, bah, il semblerait que je n'ai pas pu vendre. Ah, merde. mais c'est le même, c'est Luke Walter. Bah, il m'a dit qu'il s'appelait Luke, il m'a pas donné de nom. Sinon, c'est 3,50$ la graine. Oh, c'est cher. Combien ça se revend ? 22 centimes la feuille. Et sur une graine, on peut faire 5 feuilles. C'est pas rentable, il y a un problème. Ah, il y a vraiment un problème là. Je dois pas avoir le bon prix d'achat alors. Parce que sinon, là, si tu l'achètes à 3$, là, tu perds 2$ à chaque fois, quoi. Ouais, non. Non, je crois que j'ai pas le bon prix d'achat. Pose des questions quand tu parles avec les gens, et tout comme ça. Je pense que c'est pas une question de prix, je pense que c'est une question de quantité. À mon avis, les 3$ et quelques, c'est pas pour une graine. Ça doit être pour une certaine quantité de graines. Et là, le pavot, c'est quoi que t'as ? Des feuilles, des graines ?
Non, c'est du pavot. Parle-en à Smith, il saura peut-être quoi en faire. Oui, mais normalement, on va... Donc, du coup, on allait venir à la suite par rapport à Smith. On a reçu un message. On devrait passer commande, enfin, après, à partir de demain. Et avoir nos livraisons à partir de demain soir, 23h. Ok. Je crois que je lag comme pas possible. Ok, très bien. Donc je vais couper le stream là. Parce que je crois que je lag à mort. Oh les gars, vous avez quelque chose de prévu ce soir? Ça veut dire quoi les gars? Les gars. Je vous dis à plus tard. Et j'essaye de résoudre mes problèmes. Je parle bizarrement, genre.